Yeah, bonjour et bienvenue sur Smite France, j'en perds mon casque. Aujourd'hui, Ymir en mode conquête, avec la super skin Caco Démon X, qui est donc la version de la Xbox One, qu'on récupère en mergeant les deux comptes, si je me gourre pas. Donc j'ai commencé, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, à vous demander qu'est-ce que vous vouliez sur Twitter. Et forcément, si j'arrive pas à piquer le personnage, je fais un peu à la comme je veux, comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour record. Donc on m'avait dit Kali, je le garde dans un coin de ma tête parce qu'en plus j'ai joué Kali il y a pas longtemps et j'ai fait un joli score. On a quand même perdu la game hein, parce que les mecs autour ils s'étaient dit bon, je sens que Rally est motivé avec sa Kali, alors on va feed. Ok. C'est Halloween était là d'ailleurs, donc il peut confirmer. Hein, j'ai fait un truc plutôt correct. Ah salut. Tu viens de Ward ? On me dit dans l'oreillette que tu as perdu de l'argent. Un Ward maintenant, là, tout de suite, c'est 50 balles perdues. Parce que ça va servir à rien. Donc merci. Qu'est-ce qui se passe Et donc, ouais, j'ai pas pu piquer Alice, dommage. En plus, j'aime beaucoup la nouvelle skin. Et depuis que le size de Queen est de nouveau viable, vu qu'il coûte plus trop cher, j'ai trouvé que c'était assez intéressant à jouer, en tout cas très puissant. Mais faut vraiment pas avoir peur de foncer dans le tas quand vous avez pas de vie. Ça, c'est un truc que je suis pas très très fan. Donc, en tout cas, Ymir, on fait un petit tour vite fait des compétences. Je vous rappelle que son passif, dès que quelqu'un est touché par ses compétences pendant 3 secondes, je crois, vous lui faites double dégâts avec vos attaques de base. Son 2, donc c'est les pics qui sortent du sol et qui font des dégâts. C'est pas très smart ça. Le 3, c'est le qui se coule. Le 1, c'est le wall. Et l'ulti, c'est le. Il a envie de chier, quoi, grossièrement. Et dès que vous relâchez, il envoie la sauce. Et ça explose, ça fout de la merde partout, c'est horrible. Ce personnage est vraiment le meilleur du jeu. Hop, pour des push, son 2 c'est juste génial. Et pour mettre la pression, son 3 c'est encore mieux. Vous voyez, là ils sont en train de perdre leur XP parce qu'ils sont loin. Ils peuvent rien faire, ça c'est cool. Sauf que les creeps sont pas trop morts. Mais là maintenant qu'ils sont sous tour, ils perdent la thune. Donc Ymir c'est vraiment c'est le support de l'enfer hein. C'est le mec qui vous met tellement la pression. Hop, voilà. Il est insupportable, moi j'adore hein, En arène c'est un de mes tanks préférés avec Bacchus parce qu'il a une capacité à KS déjà qui est géniale de faire rager tout le monde. Moi je trouve ça plutôt chouette. Ils ont deux slow un petit peu aussi. Donc c'est cool. Ça c'est dommage qu'il ait raté la Athena là parce qu'il y a moyen de lui faire des dégâts un petit peu. Celui qui me trouve, j'ai mis un des pires albums du monde et que j'aime bien écouter parce que ça me fait rire. Pour le manque de sérieux, celui qui me trouve le groupe là, qui me le met dans les commentaires, c'est que t'es à peu près aussi fou que moi quoi, et je te félicite pas. Tu me taunes, mais moi je te casse la gueule si tu me taunes, il va falloir te calmer. Ce Shibalanke, il va prendre des stacks avec toi Athena hein, si tu continues à jouer comme ça, un peu greedy, un peu on sait pas trop. Ouais, oui, j'ai pas bougé de ma lane. Je suis en mode sup, casse-couille, je pars pas. Je mets la pression. Je trouve ça bien, je trouve ça cool. Il faut continuer comme ça. Ah, je l'ai pas touché du bout. Je prends pas encore le wall pour le moment. Je booste les deux compétences pour faire plus de dégâts avec. C'est discutable hein, comme build. Hein. Mais voilà. Là, elle va être obligée de back parce qu'elle a plus de vie. Que ça venait de derrière le bruit, genre une autre Athena dans l'équipe en face. Donc là, il faudrait que je récupère de la mana quand il va tuer les creeps. Parce que je n'ai plus de mana. Il va tenter de me stun. Ah, mais là, je peux juste rien faire, mec. J'ai pas de mana. Attention, Spider. Elles avancent bizarrement d'ailleurs. Elles avaient l'air un peu cotorates. Mais t'es où mec? Tu peux taper s'il te plaît là? Je vais pas réussir à régène si tu fais pas. Si tu fais pas ton taf hein. Oui si tu veux Serket, mais je suis pas convaincu de l'utilité. Non, pas attaque maintenant, il va jump. Oh là là, c'est nul. C'est tellement nul. Mais non. Voilà, il a jump. Allez maintenant t'attaques. Oh là là, c'est nul. Ouais. Non, mais Serket, elle s'est retournée, elle a arrêté d'attaquer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Il a pas encore son ulti, par contre. Moi, j'ai déjà le mien. Vas-y, les creeps, vous prenez les dégâts. Merci. Hop. On ne tue pas les creeps. Avec le don de l'observateur, il sort de régène, je vous rappelle. Hein. C'est pour ça que je le fais pas.
Bon, mais en fait, il me laisse tout seul, comme ça, là, tranquille. Oui, je vais assurer, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète surtout pas. Non, je vais pas back tout de suite, je vais acheter les bottes du voyage, donc je vais attendre d'avoir encore 150 en plus pour pouvoir le faire. Donc, tranquillou. Hop, on a des poches vite fait là. Oh merde. Ah c'est bon, c'est pas. En fait il est pas parti vers ce taunt. Alors là il faut empêcher Ouyi de revenir sur sa lane. Il va être obligé de jumper. Ah il a jumpé, c'est bon. Shibalanké, tu devrais te mettre encore plus loin à chaque fois. Enfin, il y a un moment, si tu veux leur mettre la pression, le mieux c'est d'être juste à côté. Donc, on constatait dans la game avant qu'il valait peut-être mieux acheter des sentinelles que des wards à cause du fait de pouvoir poser que deux au total entre les deux types d'items. Donc je vais attendre un tout petit peu d'avoir assez pour acheter une sentinelle quand je vais back. Allez, je vais back aussi en fait. On va en profiter. Donc les bottes de voyage, généralement je préfère prendre des CDR, mais là j'ai envie de le tester comme ça. Je suis sûr qu'un Ymir mobile, c'est quoi, c'est Ymir qui a volé la voiture à Batman là. La Ymir mobile. Qu'est-ce qu'il dit? The Deccan Underman, help me. Ok, oui, effectivement, Loki, Arachné, voilà, c'est cool. Oh là là, ça sent le Flamer. Mais de l'enfer, génialissime. Counter ward ici, histoire de gagner un peu d'argent. Hein, je vous rappelle que ça file 50 gold, donc finalement à chaque ward que vous pétez, vous pouvez vous en acheter une en gros. Ouais, bah c'est ça, barre-toi bien loin, t'as raison. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être chiant, les gens ils vont dire n'importe quoi, ils vont te casse-pied. Oh, il est retombé à l'endroit, il a tout pris. Oh là 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 là. Mec, t'as trop mal. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas perdu un point dans le wall. Je fais des midlife. Je suis un malade, je suis le support de l'enfer. Ouais. Regardez, je marche trop vite. Ouais. Allez, je prends toujours pas le wall, je m'en fous. Et j'ulti. Il va faire mon passif, machin. Ouais. On va la slow grâce aux deux. Ah putain, le Janus il est pas avec nous. C'est chaud. C'est bon, ça s'est bien joué quand même. Allez, c'est bon là. Tais-toi le Loki, tu commences à nous casser les glaouis. Allez, merde, dommage. J'ai pas vu si elle avait ulti Arachné. Donc tant qu'elle a son ulti, elle peut se barrer en pleine teamfight comme c'est pas permis. Donc ce que je vais faire, je vais même pas acheter tout de suite de la def. Je vais aller sur la lame sorcière tout de suite. Parce que j'ai trop envie de faire n'importe quoi là. J'ai envie de rigoler, j'ai envie d'être, que ce soit fun. Et puis de toute façon quand on joue Ymir c'est toujours fun. Maintenant je prends le wall. Parce que je pouvais pas mettre mon 2. Et c'est le 2 qui fait un max de dégâts. Il faut... Hop, je vais l'aider. J'hésite quand même à souveraineté, mais pif, paf, non, ok. Allez go. Où est-ce qu'on va? On va aller gank le mid. Attention, Ra, t'es dans la merde. T'es tellement dans la merde. Ah, je croyais que j'avais mon ulti. Non, tu pars pas. Ah non, tu pars tellement pas. Par contre, j'ai plus de mana. Allez, hop, je back. Désolé, les mecs. Ah, putain, il y a Hades qui se joint à la fête. Les mecs, ça va être chaud. Oh là 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 là. Ah, juste wall pour pas qu'Arachné puisse arriver. Je sais pas si ça valait le coup. Putain, chaud. Fallait pas y retourner, les mecs, là. Vite. On arrête d'engage. On se fout hors du combat. Je crois qu'il y a un Janus qui a tenté le coup de loin. Hop. Ouais. On va être plus rapide avec ça. Et on va commencer un peu de CDR. C'est forcément. Quand vous prenez les bottes du voyageur, bah le CDR c'est pas ça, hein. Ça. C'est quand même hyper important avec Ymir de bien avoir son CDR à fond. Mais bon. Il faut trouver un juste milieu, toujours pareil, entre ce que vous voulez faire. Et moi j'aime bien être quelqu'un de mobile, toujours sur la map. Et de pouvoir être utile à tout moment. On va tuer tous les creeps d'un coup là.
putain, au moment où je le volais et il pouvait pas se barrer comme il a fait. C'est dommage. C'était un beau silence de la part de d'Hadès là, qui nous a bien mis la pression sous la tour. Alors le Wii, faudrait qu'on arrive à le faire jump. Genre, vous allez voir comme ça là. Bouh! Voilà. Voilà. Merde, il est en train de stacker. Ah, il stack. Allez, 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 allez. Merde. Allez, cours, 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 tourne-toi, 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 qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de mana, mec. C'est dommage, c'est dommage. Si t'avais suivi, on pouvait au moins en choper un. Comment ça me fait chier à pas me suivre, lui, hein? Commence vraiment à me faire chier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre maintenant? On va tuer les creeps. Voilà. Hop. En mode fifou. De la fifourie. Voilà. Et je vais pouvoir finir ma lamellée. Qui est un item qui est utile avec Arachné. Au moment où elle va vous mettre ses toiles, vous allez pouvoir fuir super loin. Là, je mets aucune ward, j'ai un peu honte. On se calme. On se calme, on boit frais là. Hein? Hein, la sarquette? Bon, defend mid lane. Faut que j'achète mon flash aussi, faut que j'achète mon hog niveau 3. Je suis complètement... Je fais n'importe quoi de mon argent. Allez. Il passe pas dans le portail. Il a pas de portail. Ah oui, c'était pour la Arachné en fait. Merde. Voilà, la ulti au moins. Ça c'est fait. Putain, c'est dommage, j'avais pas pensé au portail pour Arachné. J'attendais comme un con et j'aurais fait différemment sinon. Je pense que le Hades m'a vu. Ouais, il m'a vu, c'est wardé. Sérieusement? Il stack le rat? Non. Ok. Il prend quand même tout. Hop. Bon, il n'y a personne pour m'aider. Non, mais non. Qu'est-ce que tu fais, je suis balanqué. Tu me mets à mourir. Comment ça se fait? Oh, c'est la game où tu sens que tout le monde est hyper sur les nerfs. Moindre mec qui meurt, il faut qu'il crie quoi. Il faut qu'il parle aux autres mal. Ouh, salut, 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 salut. Oh merde. Oh, c'était pas beau ça. Oh, c'était vraiment dégueulasse. Par contre, hein, quand on est le roi de l'esquive comme ça. Oh putain, je suis toujours. Bah... Non. Ah, oh, putain, le taunt. Ah, le taunt de merde, quoi. Je me volais sous la tour et j'étais bien. C'est dommage. Ça aurait pu bien se passer. On aurait pu s'amuser. Et l'autre, il continue à flamer, à fulminer dans son coin, le Loki. C'est un truc de malade. Surtout un mec qui dit que les gens jouent de manière personnelle alors qu'ils jouent Loki en solo lane. C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut te réveiller, garçon. T'as pris Loki, solo lane. Ah, les gens, ils jouent trop perso. Solo, solo, solo. Ok, bah, écoute, joue jungler si t'as envie d'aider les gens. Ou alors, je sais pas, deviens pompier, infirmier, je sais pas quoi. Mais viens pas nous casser nos games là où on s'amuse de manière collégiale à 3-6, tout va bien. 0-1, ok, il a pas pris de stack de kill. Bon, maintenant que j'ai le flash, on va pouvoir. Il faut réussir à le faire jump. Hein. Allez, allez, vas-y, je vais pas. Putain, mais fallait que tu ailles la première, faut que je le freeze moi. Putain, elle est con la serquette. Ok, ça c'est fait. Easy, easy peasy. Ok, go. Ok. Merde. Ok, va fuir. What? Salut. Oh, putain, mais il tourne, c'est fou. Tu vas te calmer.
Là tu l'as bien. Il peut pas le reprendre le portail normalement, il peut pas. Mais Serquette, t'es passé où? Serquette, t'es où? T'es sérieuse? Oh, mais quel débile! Voilà! C'est ça qu'il fallait faire il y a 8 ans. Et là, elle va gueuler si elle meurt. C'est là, mais c'est le monde à l'envers. Hein. Oh non! Je vais la KS! C'est pas bien! C'est... On était à 3-6 quand je suis sorti de la base, on est à 7-6. Les mecs, moi, vous allez venir dans la jungle, on va vous défoncer. Ok. On les a démontés. C'est cool. On leur a fait trop mal. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à acheter de la def. Hein? Vous voyez, hein, des wards et de la def. Donc la def, elle ressemble à ça, hein, elle s'appelle Blink Amélioré. Eh, t'as dit que t'as... Oh, c'est bon, hein. Il faut que je ward et il faut surtout que je blink plus souvent. Putain, le Loki, il s'en sort pas. Mais alors, pas du tout. En même temps, Hades solo, c'est un peu hyper chiant. Je tombe jamais dessus, j'ai beaucoup de bol. Mais c'est un des pires, je trouve, avec son soin complètement fumé. Et dès que vous lui faites un... Dès que vous le pressez un peu trop sous sa tour, et bim, il ulti, puis voilà, allez, là, Loki qui est obligé d'ulti pour fuir. Hop. Ouais, faites gaffe. Oh là là, il y a tout le monde parce que il y a le Janus qui arrive aussi. Alors là, il est en train de les bait à fond. Merde, il y a Arachné derrière. Salut. Écoute, je vais quand même te taper. Voilà, parce que je trouve que t'aimes bien prendre des dégâts. Y'a Loki avec moi? Ok. Oh putain, t'es une sérieux. Je pensais que le Beats était fini là. Oh, je l'ai touché, je suis trop malin. Sérieusement, comment on les a complètement brain sur cette action? Encore une fois, les mecs, quand vous êtes cons, enfin, vous pouvez pas jouer contre moi. Le mec, il pète les plombs, il se dit ah, aujourd'hui, il est fou. Bon. Je vais prendre le speed buff. Hop, aucun respect pour Serket. Regardez comment on ninja un buff. Comme ça là. Hop. Ok. Et quand il back, genre, il troll. Quand il back, il troll, Ymir, c'est pas bien. Non, il dit rien. Le Serket, il est quand même calme pour un mec qui joue comme une saucisse des bois. Je sais de quoi je parle, c'est moi le roi des saucisses, quoi. Allez. Je vois qu'il y a une ward sur la Fury, je vais tout de suite aller la péter. Et personne, hein. Personne la voit, les gens s'en foutent. C'est complètement fou. Elle est posée sous la Golden Fury, donc voilà, hop, on attend bien que le viseur se mette dessus pour pas taper la Golden. Et on va aller foutre la pression, ah oui. Genre, salut. Oh ouais, oh, j'ai tout raté. Allez les mecs, je suis en train de tanker là. Ok. On aurait pu y arriver. Ah, je sens, regardez le rat. Regardez l'ulti qu'il va nous faire. C'est dommage, je pensais réellement qu'il ferait une belle action. Et le mec, on le regarde tous. On sort les popcorn. Je crois que le rat, il va tirer dans le tas. Les mecs sont là. Hein. Ok. Noterai d'ailleurs que j'imite très bien le bruit de l'ulti du rat. Et on dirait une mauvaise machine à laver qui déconne un peu. Quoi. Complètement zinzin. Alors, on va prendre le flash. Qu'est-ce qui se passe? Serket est morte, ok. Le rat, il est bon. Enfin, après, il est legendary, donc... Enfin, Diamond, il est level 10 avec, mais... il fait partie des rats qui savent se déplacer un peu. Comme le Janus tout à l'heure, qui m'a complètement brain. Et moi, j'arrive pas, j'ai pas cette intelligence de jeu des fois. Enfin, quand j'ai essayé de me wall sous la tour tout à l'heure, j'ai fait un truc pas dégueu, il me semble. Mais quand les mecs, sur des tout petits espaces, ils arrivent à complètement vous saccager le cerveau, je trouve ça trop bien, quoi. On va péter cette tour. Ouais, ça roule. Tu te rends compte que je m'en fous de ce que tu dis. Ouais. J'ai l'impression d'être tout seul sur la map. Il y a aucun de mes potes qui est en avant. Allez, juste. Ouais, alors ça c'est bien fait pour ma gueule. Mais tu vas te calmer là. Voilà. Tu sais les creeps qui vous empêchent complètement de... Oh merde, je vais avoir mal. Il va me taunt. Oh, 39 HP. 30... Ça pue l'ulti de Janus. Ça pue l'ulti de Janus. Putain. Ouh.
Oh la putain de... Ouh là là. C'était une belle esquive hein, quand même. J'ai été un peu obligé de chier dans mon froc, mais c'était une belle esquive. Hop, go. J'ai eu trop des bols parce que je m'étais dit je vais passer à gauche, il me voit pas. Si je me serais pas retourné pour le voir arriver, j'étais mort. Hein. Donc on a quoi? On a ouais, Ra qui envoie du gros dégâts, c'est cool. C'est quoi son build? Ok, je m'attendais à un truc plus genre Warlock Stash ou une merde du genre, mais Livre de Todd, c'est pas con. Allez, pareil, je vais partir après sur un Moissonneur histoire de faire des trucs complètement cons. Dès que vous glacez le mec, il prend cher. Hop, ça va m'accélérer avec... Oh non! Avec la... Mais merde, tu me fais chier, Janus! Je te déteste! Allez, on va warder la Golden Fury. Voilà, comme ça le mec il voit qu'on est spot quand même. Allez, vite. Yes, c'est bon. Ouh, chaud, des macalons. On fait un wall un petit peu à la con là. Pour dire à Janus, ne viens pas. Ce qui n'a pas vraiment bien marché. Est-ce qu'il va sauter sur quoi? Ok, il a désengage. Hein? Bon. Mais je fuis alors. Si vous voulez pas de moi. Quoi? Ah, oh, Loki, tu peux arrêter de. Tu peux arrêter de feed Loki, s'il te plaît? Chaud cacao. Ok, vite fait prendre le farm là. Vas-y. Yes, c'est bon. S'en bat les couilles, genre j'ai pas de, je m'en fous quand j'ai de la régène. Il a quoi? Ah, il a de. Bon, alors hop, vas-y, Ra, fini. C'est vrai que tu stack maintenant. On va aller s'occuper de la. De la left lane, là, le mec qui perd ses mots. Je suis en train de réfléchir parce que là, la game, elle est. On n'est pas hyper mal barré, mais sur une erreur, on va perdre des teamfights et on risque de perdre la game. Ouais, il faut qu'on se barre. Il y a Janus qui arrive, là, j'ai vu son portail. Oh là là, c'est chaud, il y a tout le monde. Non, engage pas. Oh là là, t'es tellement mort. Ah, ça c'est bien, le mec il a cancel direct. Allez, Oh bien le jump. Le Wii est pas dégueu hein. Dommage qu'Athéna soit nulle à chier. Salut. Bah là ouais. Ah là tu rigoles moi hein. Regarde. Oh boum. Oh t'as tous les creeps. Oh t'es sérieux? Non vite. Yes. Non, je peux pas le tuer. Oh putain, ils sont tous là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils parlent encore les autres? Mais pourquoi je suis tout seul? Tout le monde est mort, merde. Et le Loki qui disait tout à l'heure, oui, c'est pas l'équipe, machin. Oh putain. Non. J'allais me retourner. Le freeze. Et ensuite... Comme ça, quoi, il serait mort. Dans d'atroces. Je vais prendre ça. Allez, tant pis, je jouerai pas en mode sac. Le moissonneur sera le prochain. Mais bon, ça aurait été bien que je puisse le prendre tout de suite. Mais on va jouer tant qu'on va. On va jouer super. On va se la jouer bien. On va bien se mettre là. Après, on va bien leur apprendre les bonnes manières. Vous voyez, quand on aura tout fini. On va gagner la game. Ok. Bon allez. Vas-y, c'est pas ça, conteste les mid fury, ok. Eh, on dit mid harpy. Oui, bon, ça va, on se calme là. Monsieur, je sais tout le temps. Hein, ramène sa fraise. Salut Athéna. Bon allez, je vais warder le gros machin là-bas. Voilà. Pif et pouf. J'aime bien les mecs, des fois ils posent leur ward et puis ils se barrent. Ils me font rire les gens qui font ça, parce que oui, mais si tu vois une ward adversaire, tu la détruis.
Ouais, je sais pas faire, moi. Ok. Vite, allez. Comme ça, j'y vais. Cool, ça sent le mec qui a fait un ulti dans l'ulti d'Hadès. Wop. Merde, j'ai raté mon flash. Et où Loki? Loki t'a chase comme un gros porc le Janus. Ok. Bon alors le Wii par contre, je vais le dépop. Ça va être la vengeance. Oh, t'es sérieuse? Ça va être la vengeance de tout à l'heure. Oh non, non, t'es sérieux? Vite. Hop. Ils sont sur la... Ils vont faire la Golden Fury. Defend the Golden Fury. Hop. On va se poser une ward au cas où. Ils sont tous à gauche. Ils sont pas loin. Ils sont tous dispo pour le faire. Ils ont leur hog. Ils ont tout là. Ils ont tout. C'est l'open bar. Alors on va se mettre là en mode ward. Salut. Je t'ai pas bien caché, c'est ce que t'es en train de me faire croire. Allez, tout de suite, il me met son truc, comme ça je suis spot. Super, mec, c'est hyper bien de jouer avec toi. Tu vois, bon. Voilà. J'ai complètement raté les deux, là, qui ont survécu. Un peu de bol. Pif et paf, il manquait pouf. Loki, il faudrait que t'arrives à tuer Janus, ce serait bien. C'est ton boulot, juste comme ça. Ils vont me déward. Voilà. Toi, je t'empêche d'avancer, mais je me casse bien loin. Ah, le bordel que ça fait. Salut! Alors là, ce qui fait chier, c'est qu'on a plus la vision sur le fire. Il va vite falloir se la remettre. Oui, d'accord, mais c'est bien. Mais il devrait mettre un dans les VGS maintenant, un truc genre Ward Here ou... Vas-y, c'est bon. C'était, je crois, il me semble que comme ça ralentit sa cripple, il me semble qu'elle peut pas dash dans mon ulti. Et donc là, le but, c'était vraiment de l'empêcher. Attends, j'ai pas envie de faire un mauvais wall. Oui, c'était un beau wall. Oh putain, cool. On a bien, là c'était beau. Ce qui s'est passé, ça valait le coup. Ouais, bon, attaque Fire Giant. Je prends cher, je prends super cher quand même, je tiens à vous le rappeler. Loki qui défend, c'est pas très... On a besoin en fait de son DPS, hein, vraiment. Ah putain, on se le fait ninja. Putain, de Loki qui a pas aidé sur le DPS au début là. Oh là là, c'est pas vrai ça. C'est vraiment dommage parce que... Oh, tout de suite, ça veut surrender. Voilà, ils ont le Fire Giant, il faut surrender. On a porté mon père de la game. Et c'est quoi 5-3. En plus, le pire, c'est qu'il est même pas mort 800 fois, le mec. Pourquoi il veut tout de suite surrender, machin, etc. Voilà les mecs. Get balls. Et puis, why? Pourquoi tu voulais surrender, Circuit? Voilà. Prends un petit level. De toute façon, ils ont pas tous le buff. Par contre, c'est vrai que les persos comme Athéna, Athéna Ouyi, et je sais plus qui était le troisième que j'ai vu, c'est sûr qu'ils l'ont. Et ça fait chier. C'est trop tard, mais merci quand même. Hadès l'a pas. Ça, c'est bien. Ok. Donc, ça dort et ça saute. Hein. C'est hyper important. C'est faire des sauts, il paraît que tous les 10 sauts, on gagne 10 en puissance. Voilà. Ceux qui l'ignoraient complètement, c'est très très important. Oh putain, le bordel auditif. Ah non, j'ai cru que j'étais mort. Oh le gros miss. Je
Je sais pas s'il a touché, mais c'était bien vu de tirer au travers là. Loki qui peut même pas chase un Janus. Mais t'es sérieux, mec? Allez, hop. On va aller voir de la Golden Fury avant de back. Pour pas acheter une autre sentinelle. Mais on a rien, quoi. On est juste tellement à poil au niveau de la vision du jeu. Et on avance plus en fait depuis quelques minutes de jeu là, c'est dommage. Il se passe un truc, je sais pas. Ils ont pas envie de détruire des tours, on comprend plus aucun objectif. La map en plus elle est symétrique, les deux solos ont détruit leurs deux tours. Il reste les deuxième mid et deuxième duo. Mais il va falloir avancer parce que sinon on pourra jamais la terminer. Ça va finir sur un Fire Giant, mais là ils ont perdu leur buff. J'ai pas envie d'attendre 10 minutes encore. T'arrêtes de me taper. Mec, ça fait un vieux bruit, on dirait qu'il tape dans un sac. Allez. Ouais, ça a un peu changé la donne. Au niveau des dégâts, tout ça, c'est normal. La Athéna, elle a dû me voir. Oui, bah, deux secondes. Je prends du farm, excuse-moi. Il me semble que c'est important. Allez, le Ouyi, tout le monde l'a vu, on peut le choper, là. Voilà, je l'ai fait sauter, et le vieux bodyblock, les mecs sont en face, et le problème c'est que je le voyais même pas tellement Ymir il est gros. Le truc tellement débile. Il est où? Ok, elle a bouffé son taunt, donc là c'est le moment où... Oh putain! Yes! Pousse-toi. Ah putain, il va... Qu'est-ce que... J'ai plus de vie les mecs, j'ai juste plus de vie, j'ai super peur de crever, mais faut que je revienne, c'est important. Non, tu viens pas avec moi, j'ai pas de vie, je t'ai dit. Allez, Ra, tu peux achever le Hades sans aucun souci. Hop. Il a vu ou pas? Ah putain, chaud. Oh non! Oh putain. J'ai plus de vie encore une fois. Fais-nous des soins, Ra. Putain, des soins. Ah. Ouais. Ah, je vais attendre un petit peu au cas où il meurt. Non. Et là, généralement, c'est le genre de moment où on n'a pas back et on se fait buter. Mais comme il a déjà. C'est bon. Utiliser son truc sous terre, son 1, il pouvait pas me taper dessus tout de suite avec. Donc j'ai le moissonneur, je vais pouvoir commencer à faire des dégâts. Ouais, je sais qu'il nous faut des sentinelles. Mais je fais ce que je peux quand je peux en poser que deux. Et principalement, ce sera sur les deux objectifs. Ah putain, moi j'ai. Le flash il est pas up. Ok. Allez, vite. Il faut des wards, c'est obligé qu'il y ait un truc. Nope, ok. Les mecs, ils ward plus, s'en foutent tant que le Fire Giant est mort. Allez. La mid lane, c'est jouable. Il y a Janus qui est parti à gauche. Ah, en fait, ouais, faut que tu les tues, parce que si tu traverses et que tu veux faire une surprise... Pourquoi tu vas encore sur N, toi? C'est le Loki. Ah, oh, putain, c'est... Voilà, on a un mec qui veut sur N toutes les deux secondes, maintenant. C'est bon, les teamfights, on les gagne en plus. On les gère pas trop mal. Le problème, c'est qu'on avance pas après les teamfights. Putain, ils m'ont counter ward déjà. Chier. Donc là, vous avez pu voir le moissonneur, quoi. Je lui ai fait presque la moitié de sa vie. Je vous rappelle, ça fait un pourcentage de dégâts. C'est 15% de sa santé max en plus des dégâts, donc... Ce qui est bien avec Ymir, c'est que son glaçon il touche bien quoi, enfin, sauf moi qui rate quand même pas mal depuis tout à l'heure. Mais sur des tanks ou quoi, ça fait des gros dégâts. Putain, il prend rien, c'est de la folie par contre. Ouais, mais il faut arrêter de focus les tanks. Et il faut tuer ceux qui ont pas trop de vie en début de combat quoi. Allez. Merde. Aïe. Ah là on aura rien. On va pas la gagner celle-là de teamfight. Aïe. Ah, bon bah tant pis. Putain, je l'ai fait péter trop tard.
Pourquoi il ronchonne le Shibalanki? Je comprends pas en fait. Pourquoi? C'est quoi le souci? Je veux dire, si j'ai raté de faire les dégâts Wades, mais c'est pas très grave, t'étais déjà mort en fait. T'avais déjà fait de la merde, donc c'est pas très très grave. Alors, qu'est-ce que je peux prendre en dernier? Partir sur le bâton éthéré. Et là, c'est un peu le build du guac là pour finir. Je pensais que la partie serait déjà terminée à ce moment-là. Donc je fais comme je peux. Bah ouais, en même temps, non mais. Oh là là. C'est... T'avais qu'à pas mourir en fait si tu veux pas te plaindre. C'est ça quoi, je veux dire Hades, il peut blink, il peut faire son 1. Oh le Loki quoi, putain t'es sérieux mec. C'était tellement puant ce qu'il vient de faire là, essayer de fuir en invisible. Le but quand vous pouvez pas fuir Hades, c'est pas d'essayer de courir, c'est de le maraver à fond, de lui en mettre plein la gueule. Il peut crever pendant son ulti, ce sont des choses qui arrivent. Et là, il faut défendre le Fire Giant. Il faut vite aller. Ouais, putain, faut arrêter d'acheter des wards pourris. Il faut les counter wards. Parce que là, dès que vous posez des. Ah non, c'est bon, il a mis une sentinelle. Parce que sinon, dès qu'il il voit que vous posez une ward, il vous la détruit en passant. Bon, voilà, ils ont posé la leur, ils ont détruit la sienne. Donc, je vais pas le taper. Ouch. Merde. Je vais garder mon CD de moissonneur pour la fight qui va arriver, parce que là j'aurais tapé Janus, il aurait fui. Le Janus il est vraiment bon, hein, Janus en face, donc ça sert à rien de... Voilà. Ouais, bon bah ça... Je pouvais pas faire grand chose, hein, là c'est foutu, ça va sûr. Non ? Moi je le fais pas, moi je suis pas comme ça moi. Alors, voilà, hein. Ok. Sarkade qui se fait démolir. C'est logique. No, quoi. Alors c'est quoi son build? Ouais, si tu veux. Je regarde un peu pourquoi on a autant de soucis. Parce qu'on a un sub de merde. Non, parce qu'on n'a pas eu un gros feed. Ici c'est pas top, ici non plus, mais ça va, ça pourrait être pire. Le Ouyi, il nous a complètement brisé. Le Hades était bien, la Athéna est pas top dans sa game non plus. Bon, c'est voilà quoi, c'est pas terrible tout ça. Et c'est dommage, ce rat, franchement, il a quoi, il a 4-7, ah putain, il a pas fait tant de kills que ça. Je m'attendais à un mec qui allait bien envoyer plus, vraiment plus. Les mecs, ça sent le, ça va se déco, c'est ça. Voilà. Oh la game du guac. Les gens ils font n'importe quoi. Ah oui, game du guac, n'importe quoi. Ah oui, ça a stoppé quand même l'aggro en sortant. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Bon, on est dans la merde, hein. On se fait voler tous nos buffs. En plus, c'est le moment où, acculé dans la base, on a aucune ward. Hein, on sait pas du tout comment ça va se... Ouais, Shibalanké, il suit pas. Tu fais bon, d'accord. Tu sais qu'on aurait pu aller tuer Ouyi, mec, juste comme ça. Entre toi et moi, on aurait pu aller tuer Ouyi. Mais t'as préféré, faire deux pas en arrière, aller manger des fraises. Ils sont au Fire Giant, hein. Y a personne nulle part. Putain, voilà, ils l'ont. Mais c'est un truc, je comprends pas. Bon, ça, c'est un truc. Ça a le don, en fait, de réellement m'énerver. Y a personne nulle part, sur aucune lane. Ils sont tous en vie. À ton avis, où est-ce qu'il est, le mec? Ils sont tous en train d'attendre dans leur base et faire un pique-nique. Bah non, putain, ils sont au Fire Giant ou à la Fury. Mais les mecs, ils attendent, ils font des buffs, ils font des... Putain, mais au moins tu vas spot et tu leur fais peur, tu fais un truc. Juste être sûr. Non, jamais. Le nombre de fois que ça arrive aussi en siège où tu le dis, puis les gens, ils font « Oui, effectivement, ils doivent y être. » Et ils bougent pas. Mais putain, vous commencez à me faire chier, les gens, quoi. Putain, c'est quand même compliqué, là, fait chier en jouant. Voilà, bim. Elle régène à fond avec son buff de Fire Giant, on s'en fout, t'appelles tank maintenant, c'est con. Mais on s'amuse. C'est smite, c'est génial. Bon. On attend qu'Hades nous ulti sous le phoenix, hein, de base. Meilleur ulti de Shibalanké, bien sûr, hein, parce qu'il faut engage en fait quand tu fais cet ulti, mec. Il faut pas le faire et attendre. Hades attend réellement son ulti, je pense. Dès qu'il sera up, il va nous tous nous baiser. Grossièrement.
Ils sont mis d'accord, ils ont tiré à Shifumi et c'est Athéna finalement qui va engage. Oh, t'es sérieux? Il était sous terre? Putain. Non, c'est pas possible. Putain. Non, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Putain, on fait chier. C'est pas possible, toutes ces actions ratées, j'en envoie un. Ça m'étonnerait pas qu'on entende un gros POC. J'ai envoyé un postillon, c'était un missile nucléaire sur mon micro, quoi. Non, je suis slow. Et tu vas le tuer, le Janus. Il va se prendre la Athéna en lui... Oh yeah. Aide-moi, mec. Aide-moi. Me laisse pas mourir. Voilà, taunte-moi, fous-moi dans le soin, s'il te plaît. Attends. Yeah. Merde, je fais n'importe quoi, je pensais que j'avais mon ulti. Alors attends, on va essayer de bien wall. Hop. Il a voulu rester dans son soin, bah crève. Bon bah j'espère que ça vous aura plu, c'était le Ymir de Gwak, la super skin Xbox One, tout ça. Je vais quand même vous l'envoyer, ça là elle est cool. Et comme d'habitude, les questions et tout ça, c'est sur le stream et sur le site. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.